L'inégalité de répartition dans la richesse n'est pas seulement un fait mondial ou un fait lointain. La France, où vous entendez si souvent les puissants et leurs griots jeter de grosses larmes sur le fait que vous vous la coulez douce et que quand vous êtes chômeur, il faut vous pourchasser parce qu'en réalité, vous êtes déplanqué et que dorénavant, il faut que vous cédiez, si l'on vous fait deux offres d'emploi. Monsieur Macron vient de dire ça. Le malheureux. Personne n'a dû lui dire que ça existe déjà. Mais dans le texte. Alors moi, je fais comme s'il le savait. J'ai aucune raison de douter de l'intelligence de cet homme et de sa culture immense, puisqu'il a fait les études et tout ça, quoi. Bon. Et puis, il connaît tout très bien, hein. Attendez, là. Donc, il le sait. Donc, il le sait. S'il le sait, pourquoi il en reparle ? Parce que dans le texte actuel, il est dit deux offres d'emploi raisonnables. Ça veut dire que ce qu'il propose, lui, c'est deux offres d'emploi, n'importe laquelle. Et si tu ne le prends pas, plus d'indemnité. Comme s'il ne savait pas déjà. Comme s'il ne savait pas déjà que la moitié des chômeurs de notre pays ne sont pas indemnisés, monsieur le beau parleur. Le problème qui se pose, c'est de savoir comment aider les gens à vivre, pas comment les pousser à crever.